Bonjour, bonjour. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui mes quatre premiers marque-pages pour le défi des 20 000 marque-pages pour l'Institut Curie pour les femmes atteintes du cancer du sein. Et donc, je vais vous présenter déjà les quatre premiers que j'ai faits. Alors, j'enlève ça. Je vais en faire 8 en tout. Donc, alors déjà, bon, dans un livre, ça se présente comme ça, dans un livre. Ça, c'est pour... Eh bien, bien là, hop. Ça représente, ça c'est pour laisser devant, donc j'ai fait des petits tags que j'ai coupé dans du carton comme ça là. Et bon, alors celui-là il a son nœud là, là il a un petit rond, là il a un cœur, là je lui mets une. Enfin, vous savez, donc là l'autre il a toujours dans un mini tag du doré, là une petite fleur, une fleur blanche avec le cœur rose, un papillon. Celui-ci il a un rond avec une fleur que j'ai faite en mousse. Là il a un petit cœur. Derrière, je lui ai mis une glace, une fleur que j'ai faite aussi. Celui-ci, il a un petit cœur là, un cœur brillant là avec des strass autour, une autre fleur que j'ai faite en mousse, un petit cœur. Et on va les découvrir. Donc ça, c'est les quatre premiers. Faut que je... Ah, toi, tu veux te faire voir en premier, toi? Alors, voilà. Je vais vous les faire voir de plus près, un par un. Alors le premier, le voici, avec son repère quoi. Et puis là il y a marqué donc espoir. J'ai mis un papillon en 3D que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait trois papillons du plus petit au plus grand. J'ai mis donc la tache là et c'est une poupette que j'ai trouvée sur le net. Voilà le premier. Enfin, c'est pas le premier que j'ai fait, c'est je sais plus lequel celui que j'ai fait. Ensuite, voilà celui-ci avec les deux chats. Donc ça c'est son truc que je vous ai fait voir là. Là, il porte un petit nœud. Là, j'ai mis du washi en bas, comme tous les autres d'ailleurs. Sauf non, sauf un. Sauf un, oui. Là, espoir. Là, j'ai mis des papillons. Voilà, ça en fait deux. On les fait voir comment, comme ça ou comme ça? Comme ça, sinon il... Voilà. Hop. Ensuite, voici celui-ci. Alors, avec un superbe escargot. J'adore cet escargot. J'ai mis des feuilles. Ah, pardon, je suis pas dans le champ en plus. Donc, je disais avec un superbe escargot. Attends, je vais. Donc, j'adore les escargots comme ça. Donc, washi tape. Il y a papillon au bout. Je lui ai fait des antennes avec des pistils. J'ai mis des feuilles derrière. Là, j'ai mis un papillon. Toujours le mot espoir. Là, un petit nœud qui n'est pas comme les autres. Et toujours son repère. C'est le
Escargot qui va manger la glace. Voilà. Attends, là, on va pas voir son petit nœud. Le nœud. Voilà. Hop. Et le dernier, enfin le quatrième que j'ai fait, c'est une petite chinoise. Donc là, j'ai marqué espoir, un petit nœud, des petites fleurs que j'ai faites en mousse, d'autres. Là, donc c'est une petite, voilà, chinoise, une geisha, voilà, des petites fleurs en tissu. Et donc, toujours le truc pour faire tenir comme ça. Donc, je vais. Attendez. Je vais. Oui, vous voyez comme ça. Je vais. Voilà, là vous voyez de plus près. Ça, c'est mes 4 tags. Premier tag que j'ai fait pour l'Institut Curie. Pour les 20 000 tags pour les femmes atteintes du cancer du sein. Et ben, je vous ferai voir les 4 autres quand ils seront finis. Et je vous mettrai les liens et tout pour si vous voulez en faire. Alors il faut surtout ne pas oublier de mettre dessus le mot espoir. Un petit nœud. Vous pouvez mettre derrière, parce que pour l'instant moi j'ai pas mis, mais derrière vous pouvez mettre un petit mot, un petit mot de réconfort, une petite phrase quoi. Et voilà, c'est fini. J'espère qu'il vous plaise. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des bonnes vacances. Merci, bisous, bisous.